Poupée, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour trois choses. La première, mes achats à la journée Gold Sephora, la deuxième partie dans ce carton, donc je vais vous dévoiler ça tout de suite. J'aimerais vous mentionner ici, je ne l'ai pas encore, mais je tenais quand même à vous le dire puisque parfois il y a des offres de lancement qui font que le produit est moins cher à ce moment-là. Alors, première chose, Talika, écoutez-moi bien, Talika nous a sorti une casquette LED. Un casque LED sous forme de casquette, donc moins gros, moins lourd, moins encombrant pour la pousse et la chute des cheveux. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Puisqu'il y a moins 20% avec mon code SARACHOU20. Voilà, donc profitez-en, je vous mets le lien en barre d'infos, le code associé. Je vous en reparlerai un peu plus tard dès que je l'aurai, ou alors si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Je pense que je vous en parlerai dans les favoris flop du mois, plus précisément. Mais déjà, en cliquant sur le lien, en allant voir le produit, vous aurez le nombre de LED, etc., tous les renseignements nécessaires. Ok? Ensuite, Nuance nous a également sorti une sorte de Dermalux, ok, mais avec deux modes, un mode anti-âge, lumière rouge, un mode peau nette. Donc là, c'est lumière violette. Et en fait, c'est à usage professionnel, mais dédié. Donc ça se présente comme ça, je vous montre. C'est vraiment comme le Dermalux un petit peu, mais à usage professionnel. Donc les professionnels peuvent l'utiliser, l'acheter pour leur institut, etc. Mais vous, nous aussi. Donc ça, c'est génial. Et donc, Nuance, vous savez que quand ils sortent un nouveau produit de Beauty Tech, il y a une offre de moins 20% disponible, cumulable avec mon moins 15%. OK? Donc, au lieu qu'ils reviennent à 1175 euros, puisqu'on est sur du professionnel, de mode, etc. Là, actuellement, avec l'offre, il revient à 799 euros payables en 4 fois. Pour qui c'est fait? Alors, déjà pour les personnes, donc l'anti-âge plus, ok? Mais le deuxième mode, il va être intéressant pour les personnes qui ont des imperfections, vous voyez, qui ont des boutons, de l'acné sur le corps, sur le visage, etc. Là, encore une fois, gain de temps. Pourquoi? Puisque, en fait, comme c'est grand, toi, tu vas venir glisser ta tête en dessous quand tu veux faire le visage. Si tu veux, ça va prendre de là jusque là, ok? Tu te glisses en dessous, ça va prendre une plus large, une plus grande partie, tu vois. Idem, tu vas faire tes fesses, tu vas faire, tu vois, c'est vraiment génial, très complet. Comme dit, c'est vraiment, moi personnellement, Sarah, je vous dis la vérité, quand est-ce que j'en aurai besoin, en tout cas, plus quand j'avancerai un peu plus dans l'âge, les imperfections, ça va beaucoup mieux, donc j'en ai pas trop besoin, mais plus quand j'avancerai dans l'âge et que j'aurai besoin de soins beaucoup plus profonds, beaucoup plus professionnels, beaucoup plus complets, ok? Donc voilà, je vous le mentionne, avec le code SARACHOU15, il passe à 799 euros payables en 4 fois. Et Talika également, la casquette payable en 4 fois sans frais avec PayPal également. Voilà, maintenant on va passer à cette petite commande, cette deuxième commande. Je vous invite à aller voir la première partie de la commande. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Vous voyez, j'ai été récupérer le colis et je vais l'ouvrir en live avec vous. Parce qu'il y a des produits en plus que je ne connais pas. J'espère ne pas être déçue. On a le petit pochon Gold. Comme d'habitude, on va l'ouvrir ensemble. J'ai trois échantillons. Alors, les échantillons. J'ai un petit format 10 ml de la Ritual of Sakura, la crème corps. Voilà, tout simplement. J'ai. Ouais, d'accord. Dolce Gabbana pour homme. Ouais, un parfum. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Et Super Goop, le primer solaire SPF 30, je l'ai en grand format. Donc voilà, ça ne va pas être très utile comme d'habitude. Le pochon Gold, maintenant, que contient-il? Tam, ta, tam. Alors j'ai vu que certaines en avaient eu des pas mal. Moi, le mien, il était éclaté. Et là, on va voir le deuxième. On va plus serré. Hein. Voilà. Oh, j'ai vu un truc qui m'intéresse. De chez Sephora, le masque Vitamine Papaye, je l'ai déjà eu. Ok, moi les masques Sephora, c'est vraiment, mais vraiment pas ma came. Ok, voilà. Bon, écoutez, ça c'est plus un truc que je vais refiler. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Alpha Beta Peeling Quotidien Formule Universelle de chez Dr. Dennis Gross. Vous savez que Dr. Dennis Gross, j'ai le baume à lèvres que j'adore. Je m'étais pris le sérum aussi pour tester. Et la crème, j'hésite encore parce que je ne comprends pas trop s'il y en a qui l'ont, la crème, vous savez, couleur comme le baume. Le baume, il est juste là. Vous voyez, parce que c'est le baume qui est toujours dans mon salon, tellement je l'aime d'amour. Je vous mettrai le lien d'ailleurs
en barre d'infos. Il est topissime. Si vous voulez réparer vos lèvres, les nourrir, les plumper et récupérer un peu de l'hyperpigmentation que vous aviez, c'est-à-dire que au fur et à mesure vos lèvres sont de moins en moins hyperpigmentées, il est génialissime. Alors, il peut paraître cher à l'achat, mais c'est un 10 ml, là où tous les autres sont des 5 ml, donc les Dior et compagnie notamment. Vous voyez, donc franchement, je trouve qu'il vaut grave le coup. Donc, j'ai commandé le sérum, ça. Il y a une crème qui va avec cette gamme-là. Le problème, c'est qu'en fait, quand je lis sur le site, il y a marqué que c'est un effet blur. Mais je ne sais pas trop si c'est un effet blur éphémère ou si c'est un effet blur lissant, un peu, vous savez, comme la crème éclat, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'hésite à l'acheter. S'il y en a parmi vous qui ont la réponse à cette question, dites-moi. Donc dedans, nous avons un peeling AHA, BHA qui lisse les ridules, atténue les pores dilatés, uniformise les teints et les grains de peau irréguliers. Il y a 5 lingettes, c'est des lingettes et t'en as 5 fois 2. Mais trop bien. Ça, franchement, ça, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De chez Innisfree, le hyaluronique sérum acide hyaluronique. Ouais, bon, ça, moi, ça m'intéresse pas, mais écoutez, 10 ml, pourquoi pas. En tout cas, là, franchement, le pochon est mieux que le précédent. Pour le coup, voilà. Et j'ai, ah ouais, de chez Mike Clarins, le masque nuit Hydra Repulpant. 15 ml pour tester, franchement top. Et ben là, je suis contente de mon pochon gold. Voilà, quand il est nul, on le mentionne, mais quand il est bien, il faut le mentionner aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a été achetée encore? Qu'est-ce qu'elle a acheté encore? Ce pinceau de chez Sephora, le 80. Je vois beaucoup de monde sur TikTok parler de ce pinceau, comme quoi il est génial, etc. Multifonction, tatati, tatata. Écoutez, on va le tester. Trop bronzer, mais en vrai, tu peux mettre ton fond de teint aussi. Tu peux mettre. Oh, oui, j'adore. Il est très doux. Franchement, il est très doux. Ah ouais. Ouais. Ça tombe bien, j'ai acheté un bronzer. Qu'est-ce qu'elle a pris comme bronzer, Sarah? Le By Terry Titoutan. Donc j'ai pris en teinte 3. Et pourquoi je l'ai pris en fait? Alors déjà, c'est encore une fois à cause de Eldia. Voilà, Eldia, il y en a marre. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il est lissant. Apparemment, il est lissant, hydratant. Voilà. Lissant, protecteur, nourrissant. Apparemment, il est incre. Et vous savez que moi, tout ce qui est poudre By Terry, j'aime. Oh, j'aime le packaging. Déjà, je peux vous dire que j'aime le packaging, très joli, très beau. Oh waouh, très beau. Il fait pas cheap du tout et tout, très, très joli. Ouais, lumineux. Je crois que je me suis plantée sur la teinte, les gars. Il sent bon, il sent le soleil. Par contre, je crois que je me suis plantée sur la teinte, clairement. Je crois qu'il est trop clair. Ah bah il est trop clair. Ah je suis dégoûtée. Il se voit pas. Attendez, je vais essayer de le mettre là pour voir. Ah si, comme il est chaud, il se voit, voyez. Comme il est chaud, il se voit, heureusement, parce que sinon, voilà les boules. Très joli. On verra s'il est vraiment lissant et si finalement il est mieux que mon It Cosmetic, vous savez que j'adore. En tout cas, il sent trop bon, il sent un peu le soleil, etc. Petit blush de chez REM Beauty en teinte Peach Planet. Bon, c'est pas ma came du tout, les packagings. Ce n'est pas ma came du tout. Oh, surprenant la texture. C'est pas parfumé. Écoutez, je vais tester ça par-dessus, mais c'est dommage, je suis déjà maquillée. En fait, je vous dis la vérité, ça fait 2 jours que j'attends ce colis et que je me maquille et que je fais ni bronzer ni blush pour pouvoir appliquer ça. Sauf que, je sais pas, le mec, je sais pas ce qu'il fout avec. Il s'amuse à faire le tour de La Rochelle avec mon colis. Il veut pas me le livrer, en fait, vous voyez. Et donc, du coup, là, pour vous dire la vérité, il est 17 h. La vidéo, elle sort dans 30 minutes, les gars. Dès qu'elle est terminée, je la poste. Il est 16 h 47, très exactement. Ok. Donc, forcément, que je suis maquillée de ma journée. Et du coup, je vous poste la vidéo dans la foulée. Oh, waouh! Oh, waouh! Waouh! Hey, très joli. Je sais pas si vous voyez. Très joli. Lumineux, mais pas trop. Il n'y a pas de paillettes. Waouh! Pas mal. Pas mal.
Pas mal. Et l'autre teinte, donc c'est la Skinny Deeped. Deeped, je sais pas comment on dit. C'est un rose comme ça qui manque un peu de peps à mon goût. Ouais, c'est un rose très froid. Hein. Je sais pas si vous allez le voir sur ma canation. C'est un rose très froid. On va le tester quand même. Il est beau, hein? Mais peut-être un peu plus pour l'été, un peu plus clair. Oh, waouh! Oh, waouh! Alors, je sais pas, écoutez les gars, je sais pas si c'est le mélange des deux, puisque sur mon pinceau, il restait du Peach Planet. Mais regardez-moi cette couleur, ça me fait penser au Anastasia Beverly, ce que je mets en ce moment, que j'aime trop là. Le hibiscus, je crois. Regardez, mais trop beau. Et alors ce pinceau, il est validé. Je vous le dis, les gars, ce pinceau est validé. Il est d'une douceur magnifique. Franchement, trop joli. Je reteste demain ça là et je vous en reparlerai. Ensuite, je me suis repris ma brume d'eau cellulaire de chez Estéderm, puisque je ne fais pas sans cette brume. Si vous recherchez une brume qui soit finalement pas très chère, assez économique, puisqu'elle me fait quand même 2 mois, qui soit texture eau, qui hydrate, anti-âge, antioxydante, gorgée d'actifs, c'est la best. C'est la best, mais vraiment. Pour le coup, hein, je la préfère à toutes les essences de K-Beauty. Voilà. Ensuite, je me suis commandé sur vos conseils. Vous m'avez harcelé avec ce produit depuis l'hiver dernier déjà. Et enfin, j'ai accepté de vous écouter de chez Olenrickson le Put Preserve Peptide Lip Treatment. Donc, c'est un soin hydratant pour les lèvres. Et je vous dis la vérité, ce qui m'a convaincue, c'est Sananas. Tu vois, Sananas. Satanas. Elle a fait un TikTok où en fait elle dit regarde comment ça lisse les lèvres et tout, tu vois les ridules et tout. Et vous savez, moi, vous savez, si tu veux me convaincre d'acheter un produit lèvres, tu me dis qu'il est repulpant et qu'il est lissant, ok? S'il sent bon et qu'il a la bonne pigmentation en plus, c'est tout bénef pour moi. Mais le premier critère qui fera que je vais craquer, c'est s'il est lissant, hydratant, réparateur et repulpant. Ok? Et là, la meuf a dit, regarde, il a lissé toutes mes lèvres, etc. Et là, j'ai dit, mais c'est le diable, cette meuf. C'est le diable, c'est pas possible. Oh. Un an, j'ai lutté contre vous. Ok? Et la meuf, elle a fait un TikTok et j'ai craqué. Bref, donc j'ai pris la teinte crème brûlée, à savoir que moi, les odeurs comme ça, c'est pas ma came. On va tester tout de suite. Parce que les autres citrons, c'est même pas la peine. Cacao, alors là je vomis, j'ai horreur de l'odeur du chocolat, ça faut savoir ça. Donc je me suis dit crème brûlée c'est le moins pire de tous. À la limite il y aurait une odeur strawberry fraise, tu vois, j'aurais adoré, mais là. Donc j'ai peur parce que je sais que Charlie il a dit qu'il aimait pas trop l'odeur. Oh, off. Ouais. Ça peut être vite écœurant. Est-ce que ça. Ouh! Est-ce que ça a un goût? Non, ça n'a pas de goût déjà. Donc ça a que l'odeur qui peut effectivement vite être écœurante, mais je vous swatche à l'intérieur de la main pour que vous voyez la couleur. C'est un petit beige marronné comme ça que tu vas pouvoir mettre bah, seul ou alors avec un petit crayon. Enfin, tu vois. Donc, et à ce qui paraît, donc dedans il y a des peptides, il y a de l'acide hyaluronique, etc. Et à ce qui paraît, il hydrate, répare, anti-âge, mais surtout, il va lisser mes lèvres. Donc, on va voir ça, les gars. Ensuite, les deux derniers produits. Alors là, écoutez, les gars, si vous me connaissez. Si vous me connaissez, si vous connaissez votre go, mettez pause et dites-moi ce que j'ai commandé. Voilà, ceux et celles qui me connaissent sauront que je me suis encore commandé un combo de chez Guerlain, Kiss Kiss Glow. Voilà. Dis-nous que tu as une obsession sans nous le dire. Sans nous tous les combos Lip Lip Glow que tu as, Sarah. Non, c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi je fais des obsessions comme ça, c'est dingue. Mais franchement, c'est le meilleur, écoutez-moi bien, c'est le meilleur produit lèvres de ma life que j'ai pu tester. Pourquoi? Parce que ça neutralise mes lèvres hyperpigmentées. Ça nourrit à bloc, c'est-à-dire que comme le soin, il est le baume à lèvres, il est gorgé de soin et l'huile est gorgée de soin, tes lèvres à son max, ok? Tes lèvres à son max, donc plus tu vas l'utiliser, plus tes lèvres vont être belles, lisses, repulpées, nourries, tu vois? Tu fais le make-up et en même temps tu fais le soin. Ça, c'est parfait. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait,
t'as rien besoin d'autre. C'est-à-dire que ça se suffit à lui-même. Tu vas pas mettre de crayon, tu vas rien mettre. Tu mets ton petit baume à lèvres, tu mets ta petite huile, ça tient hyper bien, c'est pas collant, c'est pas gras, ça se tient parfaitement sur le contour de tes lèvres, etc. C'est pépite, pépite. Donc là, j'ai pris la teinte la plus claire, la 258. Et là, ça va être en fait quand je veux un combo vraiment ultra naturel, à peine visible, sorte de make-up, no make-up, t'as capté. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je crois qu'il me manque plus qu'un seul combo que je voulais. Tous les autres, je les ai. Donc je suis trop contente. Voilà. Ça, c'est vraiment mes petits bonbons. Alors ça, c'est mes petits bonbons. Donc tu as le baume et tu as l'huile à lèvres. Et chaque couleur s'adapte au pH de tes lèvres. Donc c'est-à-dire que là tu vas voir le truc, tu vas dire mais attends mais c'est beaucoup trop clair sur ces lèvres hyper pigmentées, sa carnation. Mais non ma chérie, parce que ça va venir s'adapter au pH de mes lèvres. Donc ça va venir donner un petit rose ultra naturel adapté à ma carnation, ok, et à mes lèvres hyper pigmentées. Moi je vais pas me retrouver avec un truc qui fait pas beau. Donc voilà pour ma commande Sephora Number 2. C'était la deuxième partie. Franchement, le blush, j'aime bien. J'ai hâte demain de tester blush, bronzer, etc. pour voir ce que ça donne. Je vous parle d'un truc, les gars. Ça, là, vous savez ce que c'est? J'ai reçu ça ce matin. J'ai dit, mais what? What is this? Le calendrier de l'Avent, My Little Box. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de la trousse? Est-ce que vous voyez comment elle est magnifique, oh? Vous savez que moi, je ne suis pas du tout couleur. Hein. Vous le voyez très bien dans mes vidéos depuis le temps que vous me connaissez. J'ai horreur des couleurs. C'est-à-dire que j'aime pas les trucs trop criards. J'aime, voilà, les couleurs nude. J'aime, tu vois, voilà. Mais là, j'aime pas les trucs avec trop de couleurs fleuries, trucs bariolés, etc. Là, il y a plein de couleurs, mais elle est trop belle. J'espère qu'elle ressortira bien à la caméra. Mais elle est mais tellement belle, cette trousse. Elle est géante, oh. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent, les gars. Regardez-moi ça. Et il est pas très cher. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Juste, je vous montre. Regardez. Juste, je vous montre. Et t'as plein de cases comme ça avec tes petits cadeaux de l'Avent. Voilà, trop bien. Donc ça, eh ben rendez-vous dans une autre vidéo. Et regardez, même dedans, t'as une petite poche et tout. Je vais la réutiliser. J'aime trop cette trousse. Je la trouve mais tellement classe, trop belle, trop mignonne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Je vous ferai un petit tuto demain matin sur TikTok avec les nouveautés que j'ai reçues. Lèvres, teint, etc. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.